Une jeune dame est assise. Elle tient un miroir ovale orné. Une dame joue d'un positif. Une demoiselle actionne les soufflets de l'instrument qui repose sur une table couverte d'un tapis d'Orient. Une dame puise de la main droite dans un drageoir que lui tend une demoiselle. Sur la main gauche gantée de la dame, un oiseau vient de saisir une friandise. Une demoiselle tient un plat rempli de fleurs. Une dame tresse un chapelle. Une dame est seule au centre. Elle tient la hampe d'une lance à bannière. Elle effleure la corne de la licorne. Lion et licorne retiennent les pans d'un pavillon de brocart bleu, brodé de flamèches d'or. À mon sale désir. Une demoiselle présente un coffret à bijoux ouvert. Une dame, penchée, tient un voile d'où débordent des joyaux. Une tenture de 6 tapisseries, conservée au Musée national du Moyen Âge à Paris. Juillet 1841, l'écrivain Prosper Mérimée, inspecteur des monuments historiques, visite le château de Boussac, siège de la sous-préfecture de la Creuse. Il mentionne la présence de 6 tapisseries d'inspiration turque insérées dans des boiseries du XVIIIe siècle. Quelques années plus tard, les tapisseries sont roulées, abandonnées dans l'hôtel de ville de Boussac, à l'humidité et au rat. Le bas des pièces est en partie détruit. L'hôtel de Cluny, dépendance parisienne de l'abbaye de Bourgogne, date du XVe siècle. L'étang fait en 1843 le musée national du Moyen Âge. Le conservateur Edmond du Sommerard achète la dame à la licorne à la ville de Boussac. La tenture restaurée entre au musée en 1883. Très vite, les historiens y reconnaîtront les 5 sens. La vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. La 6e tapisserie, plus mystérieuse, a fait l'objet de multiples interprétations. Dans l'art de la tapisserie, un fil de trame mobile est entrecroisé de façon régulière avec des fils de chaîne fixes, tendus sur des métiers horizontaux ou verticaux. C'est la croissance des fils de trame qui crée en même temps le tissage et les motifs de diverses couleurs. Les tapisseries de Cluny ont de 3 à 4,70 m de largeur et de 3 à 3,80 m de hauteur. La confection d'une telle tapisserie pouvait prendre 2 ans. Une tenture de plusieurs pièces était donc un objet de grand luxe, souvent offert en cadeau. Le commanditaire demandait à un peintre un patron, la maquette réduite de la future tapisserie. Du patron, on tirait un carton ou plusieurs cartons qui, assemblés, reproduisaient à l'échelle la tapisserie à exécuter. Ces cartons ou leurs calques guidaient le lissier pendant tout son travail. Pour les fleurettes et les petits animaux, les lissiers ont réutilisé plusieurs fois certains cartons, tantôt à l'endroit, tantôt à l'envers. Les teinturiers collaboraient activement avec les lissiers. 3 colorants végétaux seulement ont été mis en évidence dans la tenture. La garance, rouge, la gaude, jaune-brun, et l'indigo, bleu. Leur mélange lors de la teinture rend compte de toutes les nuances de la tapisserie. Des rouges, des bleus, des jaunes, des verts, des blancs. Le fond est rouge-orangé et très clair, l'île bleue est sombre. Les deux zones s'opposent autant par la teinte que par la clarté. Les figures claires des lions et des licornes se détachent sur le fond bleu des îles et les îles elles-mêmes sur le fond rouge. L'organisation des couleurs de la tenture semble reprendre celle du blason.
Sur le fond rouge Garance, abondance de fleurettes bleues pervenches. Sur le fond bleu, les fleurettes rouges dominent. Les artistes connaissaient bien les effets d'excitation dynamique des couleurs et les règles du contraste. Et ils ont inventé des techniques de passage discontinu d'une couleur à l'autre, comme le battage ou la hachure, qui conservent toute leur vivacité aux nuances. Dans les surfaces claires, comme les visages des dames ou les têtes d'animaux, les points de laine recomposent de véritables traits dessinés. Comme dans d'autres tapisseries dites « mille fleurs », l'espace est saturé. La flore est riche. Où ? Oranger ? Pin ? Chêne ? Quatre arbres figurés au moment où leurs fruits sont mûrs. Et des fleurettes. Jacinthe, pensée, silène, jonquille, véronique, pâquerette, marguerite, myosotis, souci, menthe, ancolie, campanule, pervenche, fraisier, œillet, giroflée, violette, rose. Chez les animaux, espèces sauvages ou domestiques se mêlent. Faisan, faucon, héron, canard, perroquet, pie, perdrix, genette, lapin, renard, chèvre, chien, agneau, singe, loup, panthère, lionceau, et aussi une jeune licorne dont la corne n'a pas encore poussé. Dames et damoiselles sont toutes des blondes aux yeux bleus. Elles rappellent des visages dus à des artistes de la fin du XVe siècle, menton rond de Botticelli, grand front de Memling. Les corps sont dans la tradition du siècle, minces, longilignes, au buste étroit et au ventre un peu en avant. Mais les coiffures sont étranges. Cheveux en libre cascade retenus par un gros diadème à pointe, cheveux courts sous un turban à aigrettes, enfin nattes serrées par des petits rubans et dont l'extrémité dressée en torsade s'achève en couette sauvage. Robes du dessus et robes du dessous font alterner les brocarts avec des satins, des moires ou des velours bleus ou rouges. Des manchons de mousseline transparente et de lourdes broderies d'or serties de pierres précieuses ou de grosses perles bordent ces robes. Diadèmes, colliers, pectoraux, bracelets, trousseoirs, broches, agrafes, chaînes d'or. Nous sommes en présence d'un luxe ostentatoire, scène romanesque, féerique, d'une exagération à la limite du fantastique qui intrigue et pousse à s'interroger sur le sens de ces images. Le blason de la dame à la licorne peut se lire, de gueule à la bande d'azur chargée de trois croissants d'argent montant. Les signes figurent sur des lances de tournoi, sur les bannières ou les oriflammes qu'elles soutiennent, sur des capes ou encore sur des écus. Le pavillon est aussi une manifestation héraldique. En général, les armoiries sont complétées par des supports qui les tiennent et semblent les montrer. Ici, lion et licorne jouent ce rôle. Le lion, roi des animaux, est la figure la plus répandue en héraldique. Force, courage, domination. La licorne, née de l'imagination des anciens Grecs et reprise dans les bestiaires médiévaux, porte une longue corne torsadée. Cette corne d'ivoire, en fait la dent spirale d'un animal marin,
le narval, était très recherchée. Elle passait pour protéger contre la plupart des poisons et pour vaincre l'impuissance masculine. Bête indomptable, la plus rapide de toutes, la licorne ne se laissait pas attraper. Elle symbolisait la vitesse. Si elle voyait une vierge, elle venait se coucher en son giron. Elle pouvait alors être capturée ou tuée par les chasseurs. La licorne était parfois assimilée au Christ, et la chasse à la licorne à la passion. Les croissants rappelaient l'Orient. À Boussac, une légende attribuait les tapisseries à un prince turc en exil dans la région. En fait, dès 1883, le blason est identifié comme celui des Levistes, une riche famille lyonnaise. Jean Leviste, quatrième du nom, appartient à l'entourage du roi Louis XI. Il devient, en 1489, un des présidents de la cour des aides, c'est-à-dire la cour des finances extraordinaires du royaume. Jean Leviste a placé partout son blason, sur les cheminées de son château d'Arcy, en Bourbonnais, au-dessus des portes, sur les carrelages, des couloirs, des chambres et des greniers. Il est mort en 1500. Mais d'autres levistes auraient pu commander la tenture. Le cousin germain de Jean, Aubert Leviste, qui fut conseiller au Parlement de Paris, ou encore le fils d'Aubert, Antoine, qui fut membre de la chancellerie vers 1500, avant de devenir président du Parlement en 1523. Au château d'Arcy, les supports des armoiries sont de lion. En préparant ses cartons, l'artiste a ajouté la licorne au lion. Le lion est peut-être une allusion directe à la ville de Lyon, d'où étaient issus les levistes. La licorne est peut-être une traduction de leur nom, visté en ancien français, c'est la vitesse. Lion et licorne se retrouvent partout. Le blason des levistes juxtapose deux couleurs, ce qui est contraire aux règles de l'héraldique. Il aurait dû montrer trois croissants d'azur sur bande d'argent. Mais c'était là le blason de la reine Guenièvre, dans le cycle des romans de la Table Ronde. Il est possible que les levistes aient joué aussi avec cette ressemblance qui les apparentait à la chevalerie légendaire. La tenture de Cluny a été rapprochée d'autres suites de tapisseries. D'abord, la chasse à la licorne de New York. Fleurs, bêtes et licornes ont plusieurs points communs avec celle de Cluny. Les différences stylistiques pourraient s'expliquer par les passages du patron au carton et du carton à la tapisserie. Ces images sont proches de gravures publiées vers la fin du XVe siècle à Paris. On doit au même artiste des enluminures et sans doute des vitraux. On lui attribue plusieurs livres d'heures. Chaque mois est marqué par une figure de Sibylle. Dans une gravure sur Bethsabée, dans La chasse à la licorne et dans Adam et Ève au paradis, même Fontaine. Dans Le paradis, un singe identique à un singe de Cluny. Dans Bethsabée, même position d'une servante et même miroir que dans La vue. Dans une Annonciation, même position de l'ange. Même tabouret que dans deux des tapisseries de Cluny. Dans un Narcisse du musée de Boston, on retrouve les fleurs, les bêtes et la même fontaine. D'une tenture tissée à cette époque, mais détruite au XVIIIe siècle, subsistent des fragments. L'un des morceaux représente Pénélope tissant sa tapisserie. Visage et coiffure sont apparentés à ceux de la dame à l'orgue. Le peintre, auteur de tous ces cartons, a donc travaillé à Paris, à Lyon, et dans le Bourbonnais, dans les dernières années du XVe siècle, et pour le compte de riches familles de l'entourage royal. Les tapisseries ont sans doute été tissées dans les ateliers du nord de la France ou des Pays-Bas, Bruges ou Bruxelles.
Certains considèrent la succession des cinq sens comme une sorte de cycle. La sixième pièce serait donc une conclusion. La liberté de refuser les passions liées aux sens. La devise pourrait donc souligner un renoncement. La dame ne choisirait pas un joyau, mais au contraire déposerait dans le coffret le bijou enveloppé d'un linge et dont elle vient de se débarrasser. « À mon seul désir » pourrait alors signifier « selon ma seule volonté ». Mais on peut mettre en évidence beaucoup d'autres indices dans les images de la tenture. Ainsi, les couples d'animaux sont constitués d'espèces ennemies. Renard et agneau, genette et lapin, lionceau et lapin. Ces images évoquent donc un monde réconcilié, une sorte de paradis. Plusieurs animaux ont une fonction morale. Le renard ou la pie rappellent le discours trompeur ou la séduction des apparences. Les singes sont des doubles de l'être humain qu'ils imitent sans retenue, faisant ainsi mauvais usage de leur sens. Ils expriment la nature sauvage, non réprimée. Le singe entravé qu'on trouve chez Dürer est le signe des instincts domptés. Les chiens ou les animaux à collier évoquent aussi l'amour conquis, dompté. Les lapins sont très nombreux, une trentaine en tout. Dans les allégories religieuses, ils représentent l'amour charnel et la luxure. Dans la Vierge au chancelier Rollin de Van Eyck, la colonne du lieu sacré les écrase. Prolifiques et nocturnes, les lapins sont aussi des animaux de Vénus. Ils symbolisent la fécondité, la prospérité. Il grouille dans une fresque consacrée à la déesse de l'amour, Inférar. Figure très voisine, le chien. Gardien du foyer, le griffon symbolise le mariage, l'amour physique, la fidélité. Il apparaît aussi bien au pied des époux Arnolfini de Van Eyck qu'aux côtés d'une Vénus de Memling. Il est assis sur la traîne de la dame à l'oiseau, signe à la fois de fidélité redoublée et de possession. L'oiseau que nourrit la dame est, dans la poésie de l'époque, l'image de l'amant. Même foisonnement de sens avec la fleur. La violette, fleur du paradis, est, dans la poésie amoureuse, la fleur du désir. La pâquerette, fleur de Pâques, est aussi la marque de Vénus. L'œillet sert à tresser des couronnes de fiançailles. L'oranger ou pomme de Chine aurait pu être le fruit de l'arbre de la connaissance au paradis. Dans la littérature profane, sa fleur accompagne la jeune fille et son fruit évoque mariage et fécondité. Le chêne est fermeté, fidélité, bonheur. Le hou, épine du Christ, protège la maison et est associé à la nativité, donc à la naissance d'un enfant. Le pin, toujours vert, marque la permanence. La rose, liée à la Vierge, devient l'équivalent poétique de la bien-aimée, le symbole même de l'amour terrestre. Le jardin clos de la Vierge Marie est ainsi devenu, à force de légende, le champ fleuri, c'est-à-dire le jardin d'amour où doivent se retrouver les amants. C'est désormais le royaume de Vénus. Dans cet univers de paix, un seul animal semble rester en guerre, le faucon. Dans une tapisserie, il affronte une pie effrayée. Dans deux autres, il fond sur le héron. Or, cette image est à l'époque fort répandue. On la trouve chez Carpaccio et chez beaucoup d'autres peintres. Sur la fresque qui montre Vénus et les lapins, le faucon est en train d'attaquer le héron qui s'est retourné et lui fait face. Figure répétitive qui emprunte un genre de chasse courante à l'époque,
C'est en réalité un symbole du désir sexuel. Un des partenaires se rend possesseur de l'autre. Le faucon, oiseau de proie courageux, attaque le héron lâche et le frappe au cœur. Mais contrairement aux apparences, c'est le faucon qui est assimilé à la dame et le héron à l'amant. C'est la noble dame qui séduit l'amant et s'en rend maître en le frappant au cœur. Au-dessus de Narcisse qui n'aime que lui-même, le faucon se détourne du héron. Dans les tapisseries de Cluny, le faucon poursuit ses proies, mais n'a pas encore frappé. Le matériel héraldique semble dire la même chose. Il s'agit pour le noble chevalier de conquérir sa dame. Les lances de tournoi sont levées, signe que le combat amoureux est imminent ou suspendu. Et le pavillon figure dans nombre de romans de chevalerie. Il est brodé de signes d'or qui sont peut-être des flammes, les flammes de la passion. Ainsi, la dame ne renoncerait pas au plaisir de ce monde en déposant son collier, comme on l'a suggéré. Elle pourrait se dépouiller avant d'entrer dans le pavillon. Le griffon assis attend patiemment, tel un amant fidèle. Le lion, symbole de la force virile, rugit. La licorne, symbole de chasteté, est attentive. Ils soulignent tous deux la solennité et l'intensité d'un moment peut-être érotique. À mon seul désir, ou bien mon seul désir, aurait pu être la devise orgueilleuse des levistes. On l'a cité de gracieux désir. De Léal Cœur content de joie, ma maîtresse, mon seul désir. Le mot « désir » dans la poésie de Charles d'Orléans ou dans les romans de l'époque évoque le plus souvent le sentiment amoureux. Or, l'inscription est bizarre. Alors que « seul » est séparé de « mon » et de « désir » par des poinçons en losange, après le « a » figure un point et après « désir » deux points. La lettre qui suit pourrait être un « ni ». L'inscription se lirait donc « mon seul désir » flanqué de deux initiales. La première sera celle du commanditaire, la seconde celle du dédicataire. Le cousin de Jean Leviste, Aubert, a été marié à Jeanne Baillet. Le J s'écrivait I. Le fils d'Aubert, Antoine, a épousé Jacqueline Raguier. Le A et le I pourraient donc valoir pour ces deux personnages de haut rang. Les deux nœuds de corde qui tiennent la tente enserrent aussi les deux lettres A et I. Les nœuds symbolisant le lien conjugal ou l'acte d'amour et les lettres initiales jouent un grand rôle dans les tapisseries de cette époque, souvent en effet des cadeaux de mariage ou de fiançailles. Enfin, la devise pourrait être une anagramme autour du nom de Leviste, T et D étant souvent confondus. Peut-on lire plus avant encore le rébus ? Dans la vue, la dame tient le miroir où se regarde la licorne. Dans l'ouïe, elle actionne l'orgue, mais pour le plaisir du lion, de la licorne et des autres animaux. Dans l'odorat, elle tresse une couronne, mais c'est le singe qui hume une rose. Dames et damoiselles ne participent donc pas vraiment à notre monde sensible. Elles en sont comme absentes. Au Moyen-Âge, les femmes n'allaient jamais nu-tête. La chevelure nue, le cheveu dressé en boucle ou en couette, sans doute inspiré par quelques statues gréco-romaines, marque une femme ou une déesse de l'Antiquité. Galatée, Flore, Pénélope. Or, cheveux en couette dressés, turban, ou encore casque diadème, se retrouvent dans les figures de Sibylle d'une suite de gravures florentines édité en 1470. Ces prophétesses de l'Antiquité ont été annexées par l'Église catholique
parce qu'elle passait pour avoir annoncé la venue du Christ. Personnage très apprécié, elle figure sur le pavement de la cathédrale de Sienne et dans de nombreux autres monuments. Les Sibylles étaient à l'époque 10. C'est le nombre de personnages féminins de la tenture, dames et damoiselles confondues. Et pourquoi donc une sixième tapisserie? En novembre 1474, Laurent de Médicis demande à un philosophe de sa cour, Marcille Ficin, de commenter le banquet de Platon. Ficin, érudit helléniste, édifie toute une théorie du beau. Pour parvenir à la connaissance du beau, selon lui, l'homme dispose de 6 moyens, ses 5 sens, et un sixième à l'entendement. Toucher, goût, odorat permettent de connaître la matière. Oui, vue, et ces trois derniers. Et ces trois derniers moyens suffisent à l'amour. L'amour est désir de beauté, et la beauté est Dieu. La quête de l'amour est donc une quête de Dieu. Le désir le plus ardent est désormais considéré comme une manifestation du divin. La déesse Vénus est au centre de ces spéculations philosophiques. Cette théologie de l'amour eut une influence immédiate dans toute l'Europe. Très tôt, le commentaire de Ficin circule à la cour de Bourbon, dans l'entourage d'Anne de France, la fille de Louis XI, qui, avec son mari Pierre de Beaujeu, assure la régence à la mort du roi. C'est justement dans la région du Bourbonnais que sont commandées les tapisseries des Levistes et quelques autres de même style. Un des érudits qui gravite autour des Beaujeu, Symphorien Champier, rédige à la demande de la régente un livre des prophéties dit et vaticinations des Sibylles, qui rassemble aussi bien la traduction des prophéties des Sibylles que le commentaire sur l'amour de Ficin. Il y avait là les fondements d'un nouveau courant philosophique qui réunissait des mondes disparates. L'héraldique, lié à la tradition aristocratique des tournois, et pouvant se lire aussi comme évocation de la joute amoureuse. La poésie courtoise, qui avait repris au christianisme l'idée de paradis pour en faire le jardin d'amour. Les bestiaires, qui transformaient les animaux en autant de représentations des passions humaines. Le monde merveilleux des contes, avec ses objets magiques. Enfin, les personnages des mythologies antiques. Les Sibylles, sortes de fées, servent d'intermédiaires entre ces mondes imaginaires. L'extrême condensation de ces sens secrets a donné naissance à 6 moments étranges que nous ne pouvons plus percevoir comme les percevaient les initiés de l'époque. Un message nous atteint cependant, celui du désir, c'est-à-dire la quête de la beauté. Comment Paul Gauguin a-t-il développé et perfectionné sa poésie des tons en Polynésie? C'est une nouvelle enquête picturale à suivre demain. Et les plus passionnés dégotent l'intégrale de notre série Palette en DVD. Dans un